Hello, bonjour. Je vais parler de Kate Middleton. On va parler de la nouvelle selon laquelle son dossier médical aurait été, on va dire, violé, hein, par certains infirmiers ou infirmières dans la clinique où elle avait été admise. Comme vous le savez, en fin de décembre, début janvier, Kate Middleton avait été admise dans une clinique à Londres, hein, pour être soignée pour un problème abdominal. C'est ce qu'on dit. Elle a eu une chirurgie abdominale. Et vu qu'il y a eu toute cette furorée autour de Kate Middleton, ce qu'elle faisait, ce qu'elle est, où elle est passée, il se trouve que certaines personnes auraient essayé d'avoir accès à son dossier médical. Des personnes qui n'avaient pas normalement le droit d'y avoir accès. Mais elles ont essayé de le faire et ça a été flagué par le système et on nous dit que la police est en train de faire une enquête. Il faut savoir que c'est une violation qui s'est passée il y a quelques mois de cela. Et les gens demandent pourquoi, si c'est passé en janvier, on nous sort cette information aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils se posent la question, pourquoi si les personnes qui sont accusées, on parle de trois personnes, d'avoir eu accès au dossier de Kate Middleton alors qu'elles n'étaient pas en capacité de le faire ou elles ne devaient pas le faire, l'ont fait en janvier et ce n'est que maintenant qu'on nous révèle l'information. Donc, certains ont dit en fait que cette information est révélée aujourd'hui et non en janvier pour attirer de la sympathie pour Kate Middleton. Comme ils n'arrivent pas à faire cesser toutes les rumeurs sur elle et son mari, donc ils ont voulu sortir ça pour que les gens aient de la sympathie et que les rumeurs cessent. Seulement, le problème, c'est que les personnes se demandent pourquoi maintenant et pas quand c'est arrivé. Ils voient bien ce qui se passe. Ils savent que c'est pour attirer de la sympathie qu'on dise « Oh mon Dieu, la pauvre, il faut la laisser tranquille. Oh la pauvre, elle a beaucoup souffert. » En fait, non, les gens ne sont pas dupes. Hein. Ils savent que c'est pour ça qu'on a sorti cette histoire. Et voilà, oui, Kate est souffrante, on a vraiment de la compassion pour elle, mais il y a quand même une certaine manipulation de Kensington. Kensington qui ne veut toujours pas arrêter avec les manipulations, au lieu d'être franc et clair avec les personnes, avec les supporters, les fans et même les gens qui sont de près ou de loin intéressés par la famille royale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.